même qui a suivi l'actualité en République dominicaine, qui compréhension ou de décision Luis Abinader là qui a annoncé hier, est-ce que il y a eu des décisions similaires qui étaient prises déjà par le passé pour ce Harold Pierre? Pour ça, moi, qu'on est, qui est pour avec Haïti, par contre, des décisions qui étaient prises comme ça, à part ça qui était passé en septembre l'année passée, et bon, Haïti pas de quoi dans la situation, ça a tout, et Dominique, y'a pas, j'aime prendre des décisions comme ça contre l'autre pays, et m'pas quoi intéresser de prendre, y'a aucune capacité de prendre en plus. Ça qui passe là, nous capables sous plusieurs angles. Nous, quand ouais, action en lui-même, qui ça qui motive elle, et ensuite, nous capables tout, politique étrangère, République dominicaine, et nous avons tout, par exemple, qui est assez intéressant, question et corruption en Haïti, corruption en République dominicaine. Et finalement, nous avons vu qu'il y a un impact réel, ça a gagné sous pays. Disons pile barré, mais nous avons fait ça bien rapide. Mm-hmm. Ça passe avec décision ça. Décision dominicaine, nous avons trois aspects pour nous là-dedans. Un, c'est que c'est presque tout le monde. Canada avec États-Unis sanctionné, même si mon États-Unis qui a sanctionné, ne pas connaître parce que l'issue n'est pas toujours public. Mais mon nom connaît, plus pas Canada est toujours public, c'est presque tout le monde avec quelques personnalités qui sont dans la liste là. Mais Dominique et Otto, ils ont ajouté quelques autres mondes, ils ont ajouté deux acteurs, ils ont ajouté un acteur politique, ils ont ajouté ce monde de société civile, et ils ont ajouté trois pères, l'église épiscopale, qui ont pour eux avec importation ZAM dans le pays. Donc, ça nous capable dans ça, c'est que Dominique, pour moi-même, c'est ça me d'arrêter une sanction de second degré. Parce que c'est mon États-Unis avec Canada qui est sanctionné, ils viennent sanctionner. Mais, nous pas qu'à finir ça net, Dominique, ils font coup, parce que quand c'est gagné cinq personnalités, c'est eux-mêmes qui pourraient me sanctionner. Donc, cela veut dire que c'est Tatako. Ils ont sanctionné mon États-Unis sanctionné, à Canada sanctionné, mais c'est pas Tatako États-Unis avec Canada qui fait eux sanctionner. Donc, ils cherchent une façon pour montrer que son décision de ou État indépendant. Même si nous connaissons, en vérité, c'est pas ça. Parce que Dominique, yo, joue être intelligent à jouer avec l'international, là. Parce que faut nous rappeler que ça va faire longtemps, Premier ministre Trudeau t'est parlé avec Abinader, et il y a la même position. Faut nous sanctionner les gens qui ont mis en sécurité dans le pays, faut nous sanctionner les gens qui ont financé gang, faut que nous payions pour ça. Donc c'est ça, conclusion, appel téléphonique Trudeau avec Abinader. Ensuite, ça va faire, c'est dans le week-end là, Sherman, yon représentant important gouverneur américain, l'ité République dominicaine, elle t'a abordé, yon un point où t'a abordé ces questions Haïti. Donc, si yon t'a abordé question Haïti, yon t'a abordé question crise sécurité, question crise politique, donc sans nul doute, yon t'a abordé sanctions en tout. Non pas qu'on est à qui niveau, rencontre avec autorité représentant américaine ça Sherman et ensuite avec dialogue appel à Abinader avec Trudeau par influence sur ça. Donc c'est comme ça capable. Well, ça veut dire que Dominique est bien placé yo, il y a troisième pays qui sanctionné. Bon, t'es gagné l'Angleterre qui Royaume-Uni qui prend décision tout, mais il y a pratiquement troisième pays qui sanctionné et ça va avoir un grand impact sur Haïti. Quel impact ça gagne? Nous capable un impact là à Avant nous aller dans l'impact, professeur et Pierre, et tout à l'heure, on dit que, ou pas quoi que, la République dominicaine gagne capacité et intérêt pour sanctionner les ressortissants de l'autre pays. Et, ça veut dire qui ça? Pour même, ils sont plus capables d'intéresser avec Haïti que d'intéresser avec l'autre pays dans la région, expliquez. Non, c'est pas qu'ils sont plus intéressés à Haïti, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Dominique, ils ont pas intérêt à sanctionner acteurs haïtiens ou non plus. Ils ont qu'à sanctionner pour ça Haïti, parce que nous connaissons que Haïti est extrêmement faible dans la région hein, par rapport à l'autre pays. Yo. Haïti, faut nous toujours songer et cadre de référence là. Il y a un pays, du point de vue international, la question géopolitique, faut qu'il y ait une force, soit politique, soit économique, ou soit morale. Donc, nous n'avons pas gagné du tout. Donc, cela veut dire que nous sommes extrêmement faibles. Pas aucun problème pour Haïti, pour Dominicains sanctionner nous. Jean le Pito. Et tout, j'ai dit là, pour y protéger l'intérêt, par eux, il est normal parce que, dans le contexte qu'on y a là, tout le monde est clair que Haïti sont menaces pour quel que soit pays dans la région, dans ça qui a passé dans le pays. Donc, dans ce sens, moi, je dis là, c'est que Dominique n'a pas gagné intérêt sanctionner Haïti si ça pas répond à intérêt par yo. Okay. Et ça répond à intérêt par yo pour deux raisons fondamentales. Première raison, c'est que faut qu'yo protéger tête yo. Mais bon, l'autre bagaille qui est plus important parce que bon, gros bénéfice yo joine là-dedans,
c'est positionner yo à l'échelle internationale. Qu'on y est là, Abinader l'a dialogué avec autorité américaine, yo pratiquement égal à égal, l'a dialogué avec premier ministre de son gros bagage égal à égal, et a posé problème haïtien. Donc, Dominique Ogin, tout un travail yo fait pendant plusieurs années pour y arriver à un niveau ça à l'échelle géopolitique. Et d'ailleurs, là où lit politique étrangère gouvernement dominicain, qui sortit en 2020, ou après que Dominique a travaillé tout bon vrai pour un leadership régional, non seulement sur Caraïbes, même en Amérique latine. Donc, vous pensez que dossier Haïti, c'est capable bon prétexte pour M. Abinader avec tout Dominique pour poser un leader dans la région? Je ne pas dire que c'est prétexte. Je ne pas dire que c'est prétexte. Je ne capable dire que c'est une opportunité. Son opportunité. Ok. Son grande opportunité, vous joignez pour faire ça et vous profitez de vous bien profiter de ça. Maintenant, dans les raisons que vous évoquez pour la section, vous parlez de casier judiciaire, mais tout, vous parlez de monde qui représente une menace pour la sécurité nationale République dominicaine et une menace pour l'intérêt dominicain. Qui est un haïtien qui représente une menace et, ou bien qui est un monde qui retrouve dans la liste là, capable de représenter une menace pour l'intérêt dominicain ou bien pour la sécurité nationale République dominicaine? Bon, l'âme passe très simple parce que y a un peu le monde qui est chef pour parler de yo capable de représenter une menace pour la République dominicaine. Si yo ta créé un réseau haïtien-dominicain de groupes armés, donc c'est son menace libre allié pour dominicain yo. Et ensuite, non, yo gen droit capable résoudre problème nan dès le début si réseau ça t'a vinn créé, mais li va l'affecter yo considérablement du point de vue économique, dans ce qui est pour avec tourisme, dans ce qui est pour avec investissement direct étranger, qui c'est moteur économique dominicain. Si on y est là, investisseur dit pas venir parce que autant de y a kidnappé monde Saint-Domingue, ou du moins touriste dit pas venir parce que autant de y a tué monde, y a kidnappé monde, même j'ai avec Haïti, donc ça va l'affecter l'économie. Hein. Mm-hmm. Donc ça veut dire que non seulement c'est je le dis là pour sécurité mounio dominicain yo, ça c'est rôle l'État, et qu'on l'autre bagaille tout pour intérêt, même si yo pas mettel, mais m'expliciter pour intérêt économique yo. Mm-hmm. Parce que l'insécurité dans le pays, dans le l'État de Haïti, ça veut dire que qu'on équipe l'argent yo pral perdu dans le tourisme, dans l'investissement étranger avec l'autre bagaille. Ok. Maintenant, mettez dans l'islam et de chef de gang et puis tout, mettez de politique dans même l'islam. Lorsque j'aime souligner ça, et il y a plusieurs raisons qui expliquaient expliquer et sanctions et casier judiciaire intérêt République dominicaine et puis tout menace pour sécurité nationale. Donc, on pas penser qu'on y a baissé confondre tout le monde dans l'islam, peut-être que vous avez cherché un prétexte pour vous sanctionner au sérieux de monde et vous sauter sous occasion et pour ce rôle Pierre. Et en fait, ça m'a pensé, et une expression qui dit qu'abrite garder jamais place avant d'entrer la dalle. Et ça qui passe, ces gens non, et c'est là où on entre directement dans l'impact. En considération morale, c'est que ou gagne ancien premier ministre, ancien ministre, ancien parlementaire, à côté yo, avec chef groupe armé, chef gang, donc son bagage extrêmement grave. Mais gravité, pas qu'un pouvoir avec Dominicain, gravité, qu'un pouvoir avec État, pays d'Haïti. Parce que, rapport qui gagne, et que tout le monde, gagne des documents qui sont sur les criminal markets que Nations Unies écrit, rapport qui gagne, acteurs politiques yo avec groupe armé yo, eh ben il est clair que ça pas déranger dans rien que ou fait tout dans toute liste dans liste ça on mettait tout monde ça ensemble. Donc rapport qui gagne entre groupe armé yo avec secteur privé, même si c'est pour protéger business etc. Donc gagne un éclatement social en Haïti qui fait que amalgame ça est possible naturellement. Li possible et yo pas capable reprocher, non pas capable reprocher Dominique yo ça, mais ça gagne, ça va faire un pile mal dans le pays ya pour qui ça. Parce que là où gagnent son même liste, chef groupe parmi ça, mêlé avec ancien premier ministre, ancien parlementaire, etc., dit dans combien de temps Haïti a une grave crise de crédibilité, dans combien de temps haïtien, peuple haïtien, pral café, dirigeant haïtien confiance que yo pas bandit, yo pas gang. Dit dans combien de temps Haïti pral gagner escamp pour camper devant dirigeant international yo, dans combien de secteur privé a yo pa ouais yo tant coup monde qui gagne rapport direct avec bandi qui a financé bandi etc. Donc cela veut dire que
ça pral gagner crise de crédibilité ça li approfondi chaque fois un pays sanctionné Haïti pour raison ça li vin approfondi donc son bagaille qui extrêmement grave ça qui passé là et les tout monde ça sont même lisse et si ou ta ouais dimension économique avec financier même ça li pral et li tout aussi grave et même plus grave parce que et ou capable ouais sanction dominicaine yo même si me relé aux sanctions de second degré en majeure partie parce que c'est monde qui était déjà sanctionné par États-Unis et Canada et c'est son influence sans nul doute pour un bagage c'est son influence États-Unis et Canada dominicain prend décision ça même si yo bien voilé yo bien bossé parce que yo mettait l'autre monde qui pas dans ça OK mais ça pour nous comprendre par exemple sanction dominicaine yo ka plus important que sanction canadienne du point de vue économique parce que journée aujourd'hui là c'est pas deux haïtiens c'est politiciens avec monde secteur privé qui viennent qui investi hein qui va investir République dominicaine et ça qui longtemps c'est environ 30 millions 50 millions de dollars maximum on te contendait que haïtien investit Saint-Domingue par année mais journée aujourd'hui là Banque mondiale Banque centrale pardon Haïti il parlait de l'année passée de 2 milliards de dollars 500 millions de dollars transfert à Haïti vers la République dominicaine. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Pour ça, Pierre. Et si nous prenons l'autre aspect, par exemple, et du point de vue financier, ça a un impact parce que Haïti sur la liste grise de Gafi qui a géré sa affaire blanchiment d'argent avec terrorisme financier. Donc, Gafi, chaque pays sanctionné Haïti, Gafi, il pour ouvrir gel pour le ouais. Pour ça, Pierre. Vas-y. Oui. Et alors, tu dis, le gars de la liste là, au moins c'est que monde que Canada avec États-Unis pas sanctionné, mais que vous mettez dans la liste là. T'as l'air de poser une question sur amalgame, que, et sous possibilité de amalgame que Dominique Rota fait pour mettre tout le monde dans le même panier. Est-ce que vous estimez qu'il est capable d'un amalgame calculé? Là, nous considérons que deux monde qui est dans la liste là, qui a fait business et en Haïti, et presque même business que République Dominicaine fait, et vous avez une vente ici, il y a des monde dans la liste là tout, qui, des fois qu'on montre très critique par rapport avec sa capacité République Dominicaine, déportation, etc. Son amalgame calculé que Dominique a offert, il a profité de son série de monde et avec Lisa. Et pas ta fin dit son amalgame calculé et ta plus 10 c'est comme t'as dit, il a joué un facile prétexte pour yo t'a montré que c'est une décision indépendante parce qu'il influence l'autre État. Parce que trois monde église épiscopale ont sanctionné yo, ça a lié évident que États-Unis, Canada, TK déjà sanctionné yo, pral sanctionné yo, très probablement, parce que yo gen pouwè avec les affaires trafic ZAM. Et puis l'autre deux acteurs politiques yo, c'est peut-être que, bon, yon secteur privé, l'autre la politique, c'est peut-être que nan niveau ça, li capable, nous TK dit, on baraye comme ça. Mais très probablement, donné yo recevoir, qui fait yo capable faire ça. Mais oui, et ça capable, et ça étonne même que gagne deux acteurs, yon politique, l'autre société civile yon sanctionné, ou a demandé sous qui base, sous qui critère. Mais, même gens nous capables de ou li note canadienne, yon c'est toujours, yon gagne raison qui justifie que moun sa yon capable de sanctionner. Mais c'est jamais preuve claire yon gagne yon. Donc peut-être que si Dominique yon tape contexto, probablement en fonction de données yon recevoir, yon tape pral dit, on baraye comme ça. Mais n'empêche que pour moi-même, moun l'église épiscopale yo l'entre dans démarche canadienne et américaine ouais yo ka sanctionner yo mais deux l'autre acteur yo société civile avec politique là donc ça li étonné ou le service renseignement dominicain dans décision ça ça moins quoi c'est que bon tant que tout pays dans région hein, gagne un service de renseignement qui fonctionnait qui fait moun yo gagne une série de données sous tout pays dans région hein. Et spécialement, quoi, tout pays dans la région, là, pas par un service de renseignement sous Haïti. À cause de situation Haïti, à pas penser que Panama, Costa Rica, pas un service sous Haïti. Bien sûr que m'croyez un service sous Haïti. Parce que Haïti, c'est, du point de vue politique et même économique, son menace régionale. C'est vrai que la République dominicaine a un service de renseignement qui est beaucoup plus, qui est très actif et, pour ne pas dire, et plus efficace dans la région. Ça m'a pas qu'à opiner sur lui parce que
pas travailler ça, okay. Pas faire études sur ça, pas okay. Opiner sur okay. Ça. OK. Maintenant, on a regardé conséquences et décisions ça yo sur qui impact yo notamment sur haïtien qui était déjà présent en République dominicaine, il y a deux monde dans les salles qui gagne business en République dominicaine qui allé assez souvent en République dominicaine, si il y en a monde qui concerné ou t'es trouvé li en République dominicaine dans moment que Abinadel li annoncé sanctions, à qui ça li exposé, il y a des il y a pas arrêté le monde qui gagne bien en République dominicaine qui gagne cob qui dans banque en République dominicaine ça passe avec bien il y a saisi yo et il y a gelé compte yo et qui ça décision ça impliqué pour et catégorie monde ça pour ça Paul Pierre en fait pas gagne détail sur ça ou dit là parce que là faut gagne faut document ça yo légal yo dit que ça va le fait mais comme nous sont démarche qui entrer dans démarche États-Unis dans démarche Canada. En notant dit yo moun ta République Dominicaine, ça me pensait que le mieux capable privé a pour le banou Haïti. C'est ça me pensait. Si moun sa te déjà dans pays, mais si c'est rentré, il rentré. Si c'est rentré Haïti, il sorti Haïti. Et li pré à République Dominicaine, parce que probablement yo ka pas probablement, il a pas arrêté moun ça parce que li interdit pour rentrer dans pays, son infraction. Pour ça faire bien moun yo, yo pas opiné sur ça, yo pas opiné sur ça, mais m'pa pensé que rien pral passer bien moun yo. M'pa pensé rien pral passer bien moun yo. Cependant, et comme nous connaît d'après moi même démarche dominicaine nan li inscrit nan yon démarche canadienne et américaine et ça États-Unis ou bien Canada ta di dominicain ou bien ça ouais au fait c'est ça ou pral faire tout et ou du moins ça pays ça ta di dominicain fait parce que ça ou pral faire. Donc ça veut dire que nous pas qu'on connaît que ça pral passer à bien moun yo. Mais jusqu'à présent, même bien moun yo gagné aux États-Unis à Canada, yo pas perdu. Et compte yo gelé, mais ça pas veut dire qu'on perdu, c'est gelé pour un an. Donc après ça, yo gagne droit gagner accès si yo pas continuer gelé là. Donc okay. c'est ça. Dernière question, moi gagne moun qui pose question, dit gagne moun qui dans liste Canada, dans liste américain, mais qui pas dans liste République dominicaine. Où est ça tout? Ou une explication sur ça? Qui j'en comprenne. Oui, bien sûr, gagne moun, lève ap gade la, gagne 4 personnalités qui nan lis canadienne yo, qui pa nan lis dominicaine nan. Là, li important pour moun poser question, qui ça, qui explique ça? Est-ce que c'est intérêt économique, gagne acteur économique important qui pa nan lis la? Est-ce que dominicain yo, parce que c'est normal, ou la question géopolitique yo, songez bien, c'est politique économique avec moral. Est-ce que yo dit, yo pa gagne intérêt mette moun sa nan lis sa parce que y a perdu trop? Et du point de vue économique, ça c'est yon. Et puis, il y a l'autre acteur politique qui parle dans l'islam. Est-ce que c'est pour amitié yo avec acteur dominicain yo? Parce que, question géopolitique, c'est ça tout. Est-ce que c'est pour amitié yo? Est-ce que c'est pour influence yo? Ou du moins, est-ce que c'est l'autre liste dominicaine qui parle vini? Sous pression, et ensuite, faut nous rappeler tout. Que liste Nations Unies jusqu'à présent pas sorti. Donc les listes sorti, tout l'autre pays normalement t'as supposé appliquer li. Donc nous pas qu'on est, mais ça qui est important, li important parce que sont questions fondamentales qui ça fait et gain quatre personnalités qui analyse ça. Est-ce que c'est à cause de gros intérêt économique qui gain République Dominicaine? Est-ce que c'est influence politique qui gain? Est-ce que c'est amitié avec des acteurs influents en République Dominicaine? Je pense que ça c'est des questions légitimes pour monde poser. Et pour qui ça a gagné, ça n'a rien d'exclusion ça. Professeur Pierre, merci un peu d'être disponible pour le matin. Merci un peu, Sénat, son plaisir pour nous faire t'y parler ça. Mais, si on va m'dable souligner, c'est que, sous-regard des corruptions entre Haïti avec la République dominicaine, qui ça a gagné dominicain ou toute légitimité ça? Corruption dominicaine avec Haïti, sous 100, c'est en moyenne 40 dominicaines et 30 en Haïti, sous 100, notre banque mondiale. Mais on regarde bien, depuis le gouvernement ça prend pouvoir, li prend corruption à un niveau 35, li mette le 40 sous seulement 2021. Nous parlons de 2020, qui gouvernement? Gouvernement Abinader là. OK. En moyenne sous 40 ans corruption République dominicaine en moyenne parce que 40 ans c'est 96 2021, sous 25 ans corruption en moyenne en République dominicaine, c'est 42 sur 100 en moyenne. En Haïti, nous gagnons 28, nous gagnons en moyenne 24 sur 100. Donc, cela veut dire que Dominique, yo gagnons 11 points sur nous.
Mais en moyenne, qu'on y est là, ça qui est intéressant pour nous, qui baille Abinader légitimité et autorité. Ça veut dire qu'il y a 11 pour nous, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus corrompu que nous? Non. Ou bien on fait plus d'efforts pour résoudre le problème de corruption? Fait plus d'efforts. Okay. Parce que c'est transparence. Transparence sur 100, Dominicain y a fait en moyenne sur 25 à 35 sur 100, donc son pays très corrompu. Mais Haïti pi mal encore parce que Haïti fait en moyenne 24 sur 100 sur 25 ans. Donc, mais Dominicain, on va regarder qu'il faut qu'a fait par exemple, l'aime garder graphique moins fait là dans données banque mondiale yo. Donc c'est que Dominicain a gain effort il a fait dès 2013, gain il faut qu'a fait. Et à partir de 2020, corruption République dominicaine, l'ité 35, gouvernement Abinader l'apprend, excusez, transparence santé 35 sur 100, gouvernement Abinader l'apprend, il mettait le 39 en 2021. Nous pas qu'on gagne 2022, nous pas qu'on gagne 2023, et Dominique, au gouvernement, ça, pi gros bataille, c'est contre corruption. M'pas aucun doute que, ou capable, là, pour y ver 2023, transparence en République dominicaine, libre n'importe 50 sur 100. Et là, ça, c'est pas un gros bagage pour Dominique, il faut passer, oui, si on fait 5 sur 10, il faut passer. Eh bien, qui j'en ai en Haïti? En Haïti, nous te gagné, normalement, une moyenne de 25, parce que c'était corruption net, net, net. Eh bien, 25 tout côté au passé, à partir de 2010, nous avons dégringolade 23-20-19, et là nous arrivons en 2019 la même, Bagala li allé en bas net en 2019, là on a parlé de 12, de 15, c'est dans le niveau ça nous y est, dans la corruption, dans la transparence en Haïti. Donc on a parlé là, on a fait 15 sur 100. Donc nous allé en bas net avec le gouvernement qu'on y est là, même dit dégringolade la liquidité 25 là, li descend en bas net. Depuis 2010-2011. Voilà, l'important donner ça pour nous, well, parce que les pour un pays au sérieux, les pour un gouvernement au sérieux, c'est donner ça pour l'analyser, ou qu'à commencer par aller en parler en paix, mais c'est donner ça qu'à dire qui direction pays après. Donc voilà, donc c'est comme ça cause y a. Moi, remercie tout le monde qui t'attendait, merci pour l'invitation. Hein. Et c'est clair que pour nous utiliser donner ça pour nous capables, positionner nous dans le pays, et mais ça qui passe à là, son baraque qui est extrêmement grave, qui va avoir une conséquence économique, morale et politique sous pays, mais malgré tout, on était positif que ça a changé. Merci beaucoup, Bruce.